Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Brian 5 et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de notre Nuzlocke sur Pokémon Ruby. Il s'est passé à peu près une semaine entre temps, entre le dernier épisode et celui-ci. Et parce que je ne pouvais pas regarder. Et j'ai XP, toute l'équipe, du coup toute notre équipe est à niveau 10 avec forcément Pokémon 5 et niveau 11 bien évidemment. Et on va mettre, on va mettre Meridianu en première position. Et on va continuer du coup notre let's play. J'ai pas vérifié si on avait. Niveau ball, on est bon. Niveau heal, on est bon également. Relozen, on a vu, cela ne nous sert à rien. Et maison de Timmy. Bah du coup, Timmy, on s'en fout. Hein. La route 104, est-ce que c'est une nouvelle zone? Je crois que oui. Hein. À part XP, je n'ai rien fait de plus. D'ailleurs, en ayant XP, forcément, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Mais en ayant XP, du coup, ça a augmenté beaucoup de Pokémon que j'ai vu dans mon Pokédex. J'en suis à 14. Ah, ça ne me montre pas le Dex national, apparemment. Peut-être. Non, ça ne doit pas le montrer. Mais en tout cas, j'ai rencontré plein de nouveaux Pokémon que l'on verra pour la suite. Et du coup, on va vérifier si Route 104, c'est toujours pas ce que je voulais faire. Si Route 104, c'est une nouvelle zone ou pas. Parce que j'ai pas forcément vérifié. Et oui, c'est une nouvelle zone. Bon, du coup, je pensais que c'était un dresseur, toi. Du coup, j'espère que le SP vous plaît. Hein. J'ai pas vos retours, forcément. Comme dit, j'aurai vos retours une fois que j'aurai battu la ligue. Et on va faire un premier dresseur dans cet épisode-ci. C'est parti. Grimpio. Et ben, on a le meilleur lead. Youpi. Forcément, on n'a rien. Et ben, on va envoyer moi-même. Parce que j'ai les meilleures attaques contre Grimpio, c'est armure, bon, voilà. Nous on va avancer Flamèche, ça va le mettre KO. Nirondelle, et bah Nirondelle, bah on va envoyer Cassie, hein. Comme ça on va envoyer d'autres Pokémon. En plus Bekipan c'est un assez bon Pokémon, donc on en profite, ça l'XP également. Bon, du PV sur Vive Attaque, ouais ça. On va aller soigner je pense, hein, parce que on sait jamais. Donc on peut peut-être faire la zone, hein. Ouais, il y a un autre dresseur ici. Non, il n'y a rien. On va faire... C'est un dresseur, toi? Est-ce que tu es un dresseur? Non. Mais on va faire la zone. Nouvelle zone, et on obtient... Aspico. Mais c'est nul, Aspico. C'est nul, Aspico. Également, comment on va renommer un dernier? Ouais, et en plus, on lui enlève rien du tout. Ouais, en plus là actuellement j'ai pas mon serveur Discord en face des yeux. Donc il faut que j'essaye de me souvenir qu'il y a dessus. Ok, bon, je vais me souvenir qui est là. Bon, cet Aspico sera renommé Inquisitor. Vu que il y a une fille du nom d'Inquisitor sur le serveur, bah, du coup on va en profiter. Et il veut pas rentrer. Mon ref. Voilà, j'ai dû faire une petite coupure. On va relancer une Pokéball. 3. Capturé, enfin. Il n'a pas voulu rentrer du premier coup, ce qui est assez étonnant pour un Aspico, j'ai envie de dire. Du coup, comme dit, cet Aspico va être rename Inquisitor. Parce que c'est le premier pseudo qui m'est venu en tête. Vu que j'ai pas le serveur en face actuellement, je regarde pas dans ma chambre. Inquisitor. Et ça va rentrer parfaitement. Normalement c'est The Inquisitor. Mais Inquisitor tout court, ça passe également. Donc, est-ce qu'il est bon au moins cet Aspico? Parce que s'il est nul, ça c'est une autre histoire. Écran poudre, bon. Niveau du talent, il est assuré. Je n'ai aucune idée de ce que ça fait. Et sinon, bah, Darvenin et Sécrétion, c'est le classique, j'ai envie de dire. Là, il va avoir le mec avec sa guérison. On aurait pu avoir quoi d'autre? Chunipan. Bon, je pense que je sais pas si j'aurais préféré Papillon à Dardarnion. Donc ça me fait encore un type poison en fait. Ça me fait déjà on n'avait pas de type insecte. Bon, au moins c'est déjà ça. Hop, on ramasse les baies parce que c'est toujours bien d'avoir des baies supplémentaires. Alors lui, il a vitesse accélérée.
Allez hop, lui c'est le dresseur riche qui a une guérison, un total ou une potion mag, je sais plus, mais du coup il a un bon zigzaton niveau 8 qui peut être qui peut faire mal, donc on va faire attention. Volvi, est-ce que ça va enlever beaucoup de dégâts? On a deux niveaux d'avance. Ça va. Ça enlève quelques PV. Mimique, bon, on est à moins 1 en défense. Est-ce que... je pense que 3 Volvi, ça va suffire. Logiquement. Oui, c'est bon. La troisième Volvi va passer net. À part un crit. Non, c'est bon, il aura rien fait. Il se serait même pas heal. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, qu'il ne s'est pas heal. Donc, tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Il avait qu'à mieux jouer. Et on passe bientôt niveau 11, donc c'est très très bien. Il va pas nous donner un truc également? Non, absolument pas. Mais de souvenir, je dois confondre avec un autre truc. Le bois Clémenti, c'est une toute nouvelle zone et on va changer de Pokémon. On va mettre Bamsir en premier. Comme ça, on aura un petit avantage. Donc, il est full life. Bon, j'ai rien dit, on va faire un dresseur avant. Et vu qu'on est au bois Clémenti, je pense que je vais plutôt me mettre moi-même Pokémon 5 en premier. Je vais me garder plus si feu. Vu que là, il y aura beaucoup de types. Hop, ça va spam. On va au moins mettre celui-ci KO avec notre Bamsir. Mais ouais, vu qu'il y aura beaucoup de types plantes ou insectes, on va plutôt spam Flamèche plutôt que de galérer avec nos autres Pokémon. Surtout avec, bah, du coup, tout. Comment ça s'appelle, les scouts etc qu'il y a dans la zone. Bon, voilà, hop, deuxième chenipote KO, troisième chenipote niveau 4 j'imagine. Ah, toujours niveau 4, au moins ça expire un petit peu notre poussifeu, comme ça il pourra, voilà, il passe niveau 12 et il pourra évoluer plus rapidement pour la première arène qui est de type roche. Je vous rappelle, et en évoluant j'apprends double pied et au moins je ne serai plus faible face au type roche, ce qui est un assez bon point j'ai envie de dire. Sinon, bah, est-ce que le Let's Play vous plaît toujours, hein? Le Let's Play, personnellement, je l'aime beaucoup. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, comme dit. Et donc, c'est toujours un plaisir de faire des petites sessions record, le temps que j'arrive jusqu'à la Ligue. Voilà, on va en profiter pour faire également notre Pokémon de zone et récupérer la balle première. Pomme de pique, mais c'est nul! Mais c'est éclaté au sol! En plus, il a destruction, je crois. Ou il est juste abri à ce moment-là? Non, je crois qu'il a juste abri. Mais c'est éclaté au sol, pomme de pique. Bon, ouais, il a charge. C'est déjà ça, on va dire. Et en plus, il veut pas rentrer. Allez, rentre. Fortress, mais quoi, qu'est-ce que je vais foutre d'un Fortress? Insectacé, c'est certes très fort, mais il apprend rien. En 3G, surtout, en plus, les Pokémon n'apprennent déjà pas grand-chose. Toi, tu vas être Aragost. Ouais, c'est le premier pseudo qui m'est venu en tête. Hop, la vitesse me gêne. Non. Aragost. Non. Voilà. Aragost, le pomme de pique. Du coup, c'est notre premier Pokémon qui est envoyé au PC. Pour le moment, je pense que même. J'allais dire As de pique, mais non. Ningal. Je pense que j'aurais peut-être préféré avoir un Ningal en ce moment. Ninjask, c'est, je pense, déjà mieux. Inquisiteur, je pense qu'il va partir au PC. Donc, je vais pas l'XP. Et, allez, bon, là, il y aura le Spear Aqua. Non, du coup, Magma, vu qu'on est dans Ruby. Mais, Ninjask, c'est mieux. C'est plus rapide, ça tape assez bien. J'en ai déjà utilisé en plus dans un Nuzlocke. Il est allé quand même assez loin, hein, pourtant. Et, j'aurais même profité pour avoir un Moonja bonus. Mais ouais, il va assez loin comme Pokémon. Dommage. Hop, le Medina, on va en faire qu'une seule bouchée. Et deux Flamèches. Bon, trois Flamèches du coup, vu que... il a baissé notre précision avec jet de sable. Hein, c'est une technique fauve, mais efficace. Et on passe bientôt niveau 13. Donc, on va bientôt évoluer également. Je crois que c'est niveau 16 pour Poussifeu. J'ai un petit doute. Allez, hop. On obtient une Super Ball pour capturer... Pourquoi pas un deuxième Pokémon nul. Ça pourrait être bien. Est-ce que tu les envoies sur toi? Absolument pas. Là, y'a rien. Hop. On va affronter le prochain scout. Qu'est-ce qu'il... On va sûrement faire une pote, j'ai envie de dire. Mingal, niveau 9. Bon, il va nous faire passer niveau 13, celui-ci. Hop, on passe niveau 13.
Là, on n'apprend toujours pas pic-pic. Il me semble que pic-pic, c'est après qu'on a évolué. De l'huile, ça me permettra de faire des frites. Parfait. À chaque fois, je fais cette réflexion quand je joue à un jeu Pokémon. Laisse. Enfin, yes, du coup, plutôt. Grand miracle. Attends, il a dit quoi? Après, il a parlé du fait qu'on ait gagné notre premier badge, sauf que je n'ai pas du tout mon premier badge. Grand miracle, on peut le donner à Myriam, hein. Objet donné. Bon, sinon, l'objet qui permet d'augmenter le bonheur, bon. Osef, on en a absolument pas besoin. Minigal, bon. Avoir Migalos, Osef total. On va quand même le mettre haut, ça fait un petit peu d'XP. C'est toujours mieux pour notre future évolution. Super Ball, c'est bien, ça nous permettra de capturer des Pokémon plus facilement. Mimitos. Mimitos aurait été mieux également. Aeromit, je pense que c'est largement mieux que Fortress. Il me semble qu'il y avait, ouais, il y avait un objet caché ici. C'est ce que je pensais. Parasect, bon. Si je me trompe pas, il est peut-être boosté par la Rome. Vu que Parasect est le Pokémon préféré de Sassu. Mais ça ne changeait en fait que le Pokémon est nul. Bon, voilà quoi, c'est pas le meilleur Pokémon du jeu. Et toi du coup qui ne donnait rien. Qu'est-ce qu'on a? Coxyclac, bon. On va pas rater grand chose, hein. Coxyclac, bon, c'est pas le meilleur Pokémon du monde. Je sais pas du tout s'il est boosté ou s'il a des modifications. J'ai pas du tout le document en face actuellement. Donc je saurais vous dire. Donc on le découvrira si un jour on a un Coxyclac ou si on en affronte un jour. Bon, par curiosité, est-ce que Griffe Mekao? Absolument pas. Et bon, on va quand même faire Griffe Mekao. Bientôt niveau 14, bientôt l'évolution. Allez, avance, voilà. Route 104, c'est la même zone que tout à l'heure, du coup on peut pas capturer de nouveaux Pokémon ici. Malgré le fait qu'il y a sûrement des meilleurs Pokémon que tout à l'heure. C'était 9. Ça correspond un peu. Ah, je sais pas du tout si c'était son temps fini, je crois pas. Balgren, bon, Balgren, voilà, quoi, c'est pas ouf. Non, il me semble pas que les CT soient infinis. Là, ça aurait pu être un petit stage, je pense. Chenipan, niveau 2, bon. Ah, on va mettre Griff, il tombe KO. Pokéball, ça c'est bien. Ensuite, là, il n'y a rien. Là, on a récupéré une potion. Ouais, on va voir ce qu'il y a d'autre. Bon, à part un Pokémon sauvage. Pas un truc trop nul. D'ailleurs, si on a un Shiny, j'aimerais bien avoir un Shiny dans ce Let's Play. Je sais pas du tout si ça va être faisable, mais on va peut-être... J'espère pouvoir en tomber un dessus. Super potion, pas mal. Cocon fort, on va le mettre KO, parce que c'est un Pokémon évolué, donc il nous fera gagner plus d'XP qu'à l'habitude. Et en plus, il est niveau 7. Il change des niveaux 2 à 4. On passe niveau 14. Et là, il n'y avait rien. Et là, il me semble que c'est là où on va récupérer l'arrosoir. Ouais, le Sowelmer. Et je crois qu'il y a une des dames qui va nous donner une baie par jour. Ouais, une baie fraise. Et elle, ne donne rien, je crois. Mais non, je m'en fous des baies, je connais déjà assez de choses à leur sujet. Toi, allez, on va t'affronter, petit combat. On va voir ce qu'elle a. C'est une mademoiselle, donc Pokémon fort et possiblement du soin. Bon, est-ce qu'on aura le temps de voir ce fameux soin? Je ne crois pas. Il fait one shot par la voilure et Flamèche. Au moins, elle donne masse de thunes. Donc, quand. Ah merde. Du coup, si un jour on obtient le cher GS, faudra bien se faire des dresseurs assez riches. Nénupio, ça va faire Flamèche. Rugissement. Ce n'est pas grave, Flamèche. Une attaque de type E et le type E c'est spécial. Balignon, Balignon. On n'a pas grand chose hein, pour affronter. On va envoyer Cola, ça va changer. On n'a pas grand chose pour le moment en incapacité de type vol. On va faire Vive Attaque, c'est légèrement plus puissant. Et en plus, c'est prioritaire donc. Que demander de mieux? Là, un petit objet, une précision plus. Bon, c'est pas le meilleur objet du monde. Surtout que je pense que je vais probablement jamais l'utiliser. Lead avec
On va lead avec, je pense, Cola et Myriam. Cola devrait. C'est parce que je pensais, je trouvais ça un peu bizarre de pas faire le combat duo. Bon, c'est juste un combat duo avec Grenipio et. Grenipio, je pense, sera un peu plus dangereux. Donc, on va focus Grenipio. En plus, Volvi le touche, donc c'est toujours mieux. Contrairement à lui qui va gagner qu'un seul point de vie. Ensuite, on va faire Mimikyu touche les deux, c'est vrai. Comme ça, on fait Mimikyu, ça va baisser la défense de Grenipio en face. Comme ça, on tapera plus fort après qu'il ait fait patience. Hop, on a Mimikyu son poké. Mireille passe niveau 11. On va faire Mimikyu et on va faire Doux Parfum. Comme ça, il est à moins 2, malgré le fait qu'on se met à moins 1 également. Et on n'est pas fin, ça. Il fallait juste baisser son esquive. Donc, Osef, on va faire Vive Attaque et on va faire Volvi. Bon, ça fait pas grand chose. Mais c'est déjà ça. Ah oui, quand même. Volvi enlève quand même, malgré tout, quelques dégâts. Hein. Je pensais qu'on allait enlever moins, mais ça va. Et on a battu ces deux jumelles. Hop, lui, il va sûrement avoir des Magikarp. Du coup, ordre, machin, hop. Là, je me demande où se trouve le dresseur à aussi Magikarp dans ce jeu. Dans ON, je m'en souviens absolument pas. Chose qu'il me semble qu'ils ont arrêté après. Après Rosa. Jusqu'à Soleil Lune, je crois qu'ils l'ont fait. J'ai un doute. Mais je crois que jusqu'en 7G, ils l'ont fait. Après, ils l'ont plus fait. Ou justement, c'est peut-être en 7G qu'ils ont arrêté de le faire. Je sais plus. Et dans tous les cas, le fameux dresseur aussi Magikarp. Hein. Le running gag de Game Freak. Mireille qui est en attendant XP pas mal. Hein. À coup de 33 points d'XP par-ci par-là. Bientôt on y passe niveau 12. Peut-être apprendre un truc mieux que Volvi. J'ai pas envie d'utiliser Balgren. Surtout que bon, je sais pas du tout si le Pokémon va survivre d'ici là. Hop, on obtient une baie marron de la grand-mère. Oui, allez, pour notre Bémépo, ça c'est très très pratique, surtout en fin de game, qu'on va les utiliser. B-Cerise, très très cool également. Là, il y a sûrement un objet caché, et là, c'est les arbres de tout à l'heure. On profite en voir du fait qu'on peut se diriger ici. Mirouville, voilà. Défense plus, bon, comme dit, les objets plus, je les utilise quasiment jamais. Mirouville, bah, il y a une zone. Cornèbre! Cornèbre, c'est pas mal. Ah non, il n'y a pas Corbos, je suis bête. Cornèbre, c'est pas si mal, en fait, c'est nul. On va envoyer Bamsir, il est quasiment full life. Et Griff devrait pas le mettre là. Et on devrait bien rester à Pic-Pic. Ouais, bon, Cornèbre, ça nous fait un type vol. Ça nous fait également un Pokémon de type Ténèbre, mais bon. Voilà, quoi. Merde, c'est un garçon. Ou Bamsir qui a failli tomber KO, Pic-Pic, les deux c'est mort. On va envoyer. On va envoyer Cola. Elle devrait mieux résister. Et au pire, on la heal. Ça va partir sur un soin direct. On perd 8 PV. Donc ça. Hop, Pokéball. Mais il veut pas rentrer. Hein. Allez, s'il te plaît. Deux. Non. Pas de crit. C'est bon. Ça va se heal. Hein. Pas que ça à faire. De toute façon, pour le moment. J'ai pas envie de risquer de perdre notre starter. Sur un crit, c'est fini. En plus, je crois que les crits, c'est 4 fois plus de dégâts en plus. Donc, quitte à perdre un Pokémon, autant perdre un Pokémon qui nous est pas trop utile. Enfin, vous m'aurez compris. Ouh là, ça va failli mourir. À un moment, on va se prendre un crit, hein, je vous dis ça. Donc, ouais, je pense utiliser la Super Ball. En même temps, on a bientôt plus de ball. 2, 3, capturé. Yes. Cornèbre, du coup, c'est un gars ou une fille? J'ai pas fait gaffe, je crois que c'est un gars. Oui, bah du coup, on va l'appeler Mécro. Mécro, du coup, qui a rejoint l'aventure. Est-ce qu'on va l'utiliser? Je ne pense pas. On va dire. Il pourrait évoluer en Corbos, j'aurais dit pourquoi pas. Mais bon. Vous m'excuserez, mais Cornèbre, c'est nul.
sans évolution. Il n'y a pas l'évolu rock également. Pourquoi on n'a pas une hirondelle? Ça aurait été tellement mieux. On aurait pu avoir quoi d'autre? Rattata. Bon, on a déjà un Rattata. On va faire une dernière rencontre par curiosité. On aurait pu avoir quoi? Tyranitar. J'avoue qu'un type roche, malgré le fait qu'il évolue pas, ça aurait pu être pas mal. Mais bon. Je pense que des Rakaillou ou d'autres trucs comme ça, on pourra en avoir d'autres. On va directement, je pense, déjà récupérer Coupe. Ou sauf s'il y a besoin de... C'est pas ici, Coupe? Je peux pas parler au panneau. T'as vu qu'il donne Coupe, normalement? Si, c'est bien ce que je pensais. Vu que dans Rosa, ici, il y a des petits arbres. Bon, Coupe, vu qu'on va en avoir besoin... d'ailleurs, c'est combien de puissance? C'est pas précisé. On va le mettre à Rattata. Ah, ça lui fera une attaque... Oui, je sais. Ça lui fera une attaque de 50 de puissance, qui est beaucoup mieux que Charge ou Vive Attaque. Et 95 de précision. Bon, c'est pareil que Charge. Donc, voilà. On va profiter pour une de nos Pokémon. On va également acheter des balls. Vous déposer des Pokémon qu'on va pas trop utiliser. Peut-être garder un Sweet Safe au cas où. Malgré que, bon, je pense pas qu'on va en avoir besoin. Et au pire, on a une Sabelette qui résiste aux attaques Rush. Et assez bien, normalement, avec la défense qu'il a aux attaques de type normal. Hop, on a acheté des balls. Nio Potion, on peut en acheter 7. Et ben, on va en acheter 4. Antidote, est-ce qu'on en a? J'en ai aucune idée. Après, bon, le reste, je pense pas qu'on va en avoir besoin. Peut-être 2 antiparas au cas où. Parce que la parasite, c'est vraiment un truc qui peut pop de n'importe où. Donc, on ne sait jamais. Ouais, c'est l'école des dresseurs, mais on s'en fout. Il n'y a rien d'important à l'école des dresseurs. L'arène, comme dit, on va la faire sûrement au prochain épisode. J'ai oublié de déposer les Pokémon. Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Également, on va voir les Pokémon, enfin les attaques qu'on a poké, hein. Oups. Déplacer. Alors, Pomme Argos, qu'est-ce que tu as pour un charge d'abri? Et toi, t'as juste Pic-Pic, donc on aurait pu attendre longtemps avant d'avoir un autre truc. On va déposer Inquisitor. Le reste, bah, je pense qu'on va garder 5 Pokémon en moyenne. Hein. En plus, les Pokémon sont déjà XP, donc que demander de mieux. On va faire la zone d'en haut, si on peut. Route 115. Je crois pas qu'il y a deux, en fait. Le souvenir, il y en a une. C'est un peu pêché, mais on n'a pas encore la canne à pêche. On va récupérer la balle qui est présente. Super potion. Bon, pour le moment, la route 115, on peut pas faire la zone. On gardera ça pour une prochaine fois. Mais à droite, il y a également une zone. La route 116. Les dresseurs, on les fera, je pense, également une prochaine fois. Mais on va quand même faire la zone. Hein. Et en Pokémon zone, on a Nidoran femelle. Nidoran femelle, Nidoqueen. Ouais. Ça va. Ouais, bon, ça va en fait. Poison sol, on a déjà ces deux types, mais ça reste quand même malgré tout un bon Pokémon, Nidoqueen. En plus, ça prend pas mal de CS ou de CT. Donc, ça. Alors, c'est une femelle et on va l'appeler. Comment on va l'appeler? J'avoue que j'ai pas réfléchi à ça. On va l'appeler Luciel. Parce que bah, c'est un nom qui m'est venu en tête actuellement. Donc, on a capturé Luciel. Et on va voir également du coup les stats de Luciel. Hein, si elle a des bons trucs. Point poison, c'est pas mal. Hein. Et une boutale en relax. J'ai aucune idée de ce que ça fait. On va peut-être. Non, on va pas égruger et récupérer la boule. On va s'arrêter là, je pense, pour cet épisode. Sinon, on va déposer Luciel au PC. On va pas l'utiliser pour le moment. Malgré le fait que Nidoqueen, ça peut être mal. Non, pas. On va déposer Luciel hop, dans la boîte 1. Et niveau objet, est-ce qu'on a des trucs à déposer qui pourraient prendre de la place inutilement? L'huile, je pense pas que je vais l'utiliser d'ici là. Pour le zen, pareil. Donc je pense que c'est le truc qu'on va déposer.
et retirer objet. On n'a pas retiré les potions à l'épisode 1. Enfin, j'y pensais. Rolozen, on va le déposer, on va pas l'utiliser. Hein. Pareil pour l'huile. Et les objets de soins, on va les garder, mais même les objets plus, malgré le fait qu'on va jamais les utiliser pour le moment. On sait jamais, dans un unlock, tout peut être utile. Voilà, donc j'espère que cet épisode 2 du unlock sur Pokémon Ruby vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Bug 25 et je veux dire enjoy!